On va tout casser, ça va déchirer. Tu parles comme tes élèves, toi, maintenant. Salut, papa. On a une grande nouvelle à présenter. Ah oui? Ouais. Madame le maire, bonjour. Oh, Céline. Vous voulez pas essayer? Tiens-toi bien, Céline nous propose d'être sur sa liste pour les prochaines élections. Et en position éligible. Oh. Vous avez peut-être une future adjointe au maire sous votre toit. N'allons pas trop vite en besogne. Hein. Non, c'est vrai, faut d'abord être élu. Bon, bah vous restez dîner. Ah non, c'est pas possible ce soir. Souviens-toi, chérie, le dîner chez les Duval. Bon, écoutez, bonne soirée. Daniel, je compte aussi sur vous. Il faut tous être unis pour faire bouger les choses. Hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien sûr. Il y a un problème, Daniel? Non mais enfin, Mario, toi sur la liste de Céline Vallier, la fille de Isidore Vallier, le magouilleur? Non, papa. Le foie gras des Landes fabriqué en Hongrie, vous avez oublié, hein? Et il y a 2 ans, le plan social de son usine, alors que l'entreprise fait des profits énormes. Ta gueule, toi! Mais Céline n'est pas forcément comme lui. C'est dans le sang, voilà. Ça se transmet dans les jeunes. Non mais comment tu peux dire un truc pareil? Ah oui, alors là, Daniel, on frise le délit de sale père. Alors c'est magnifique, on vous flatte, on vous fait des beaux discours, et ça y est, vous cavalez, vous. Eh ben comptez pas sur moi. Dehors, les Valliers, 18 ans de mairie, ça suffit. Ah, à propos, la Vallier a laissé 2 messages. Marion, t'es pas prête? On a rendez-vous avec Céline, tu te souviens? Pour la visite du chantier de la salle polyvalente. Mais là, ça tombe mal, j'ai une nouvelle pensionnaire qui vient de s'installer. Oui, et puis ta mère a mieux à faire que de parader avec la Vallier, hein? Ben oui, je suis sûr que la famille a des intérêts dans tous les chantiers de la ville. Excuse-moi, Daniel, mais ça commence à bien faire, là, ta mère a mieux à faire, puis hier, on vous flatte, vous cavalez. Non, mais dis-le si tu me prends pour une débile. J'ai jamais dit ça. Bon, ouais, non, enfin, ça ressemble un peu quand même. C'est vrai, on dirait que t'es jaloux que Céline soit venue nous chercher, nous. Mais non, mais c'est mon rôle de vous mettre en garde, enfin. Et puis, excusez-moi, mais la Vallier, elle est maligne, elle est maligne. Comment ça, ton rôle? Tu veux pas que je te demande aussi la permission quand je fais un chèque? Puis t'as qu'à me dire pour qui je dois voter pendant qu'on y est. Marion... Bon, on y va, Juliette. Hein. Un gros macho s'occupera du nini pour une fois. Bonne soirée. Toc. Oui, oui, la féministe enragée, ça va. Hein. N'en rajoute pas. Mais tiens, vous devriez plutôt vous occuper de ce qui se passe à votre poulailler. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Rien. À bon entendeur, salut. Petit. Junior. C'est très agréable ici, hein? Oui, hein? J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que votre famille habite cette propriété? Faudrait demander à mon père, mais plusieurs générations, je crois. Ah. Il préférait perdre un bras plutôt qu'on touche à sa maison. Il l'adore. Il n'aime pas beaucoup votre père. Hein. Ouais. Non, c'est dommage. C'est dommage. Pas grave. En tout cas, Juliette, je tenais à vous remercier parce que j'apprécie vraiment votre soutien et vos idées. Merci. Ce n'est que le début.